Bien sûr, si j'ouvre ma main gauche, mon cheval il va avoir tendance à tourner à gauche. Donc, pour éviter qu'il tourne à gauche, je tends bien ma reine extérieure. Tendre, hein, c'est vraiment vers vous, vers votre hanche. Et bien sûr, pour incurver mon cheval, je ne l'incurve pas que grâce à ma main, je l'incurve surtout grâce à ma jambe intérieure. Prends un petit coup derrière ton mollet quand tu tapes Virginie, ça va t'aider à... Quand tu presseras tes jambes, elle réagira mieux. Allons, j'entends faire un allemand. Faites attention quand vous les incurvez aussi, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir les hanches qui chassent à l'extérieur. Si votre cheval a les hanches qui partent à l'extérieur, dans ce cas-là, vous reculez un peu votre jambe isolée droite et vous la pressez pour pas que votre cheval chasse ses hanches. Allonge encore une terrain allemande et remonte un peu le bout de son nez, hein, les jambes. Voilà, rallonge encore un peu terrain allemande et remonte. Rallonge encore, elles sont encore trop courtes. C'est pas grave. Qui la prenne. Voilà. Dans ce cas-là, tu prends un peu le terrain droit. Et quand ils ne savent pas trop, si tu le laisses faire, il va croire que c'est ce que tu lui demandes. Tu vois? Alors, il ne faut pas que tu le punisses. Mais il faut que tu serres gentiment tes doigts pour qu'il dise « Ah non, ça ne devait pas être ça. » Tu vois? Et au bout d'un moment, il va comprendre. D'accord? Bien sûr, tout ça sans durcir de trop. Je serre un peu, je relâche, je serre un peu, je relâche. Voilà, et bien avec ta jambe d'impulsion gauche. Je le pousse avec ma jambe d'impulsion gauche. J'ouvre un peu ma reine gauche pour orienter le bout de son nez. Voilà, là il est bien. Et serre tes doigts. Allez, il faut qu'elle trotte plus que ça. Donna, Juanita... On va aller légèrement plus. Patchouli. Oh, Donard, ça tousse. Hein. On changera de main derrière les jambes. Devant moi, diagonale. Sur la diagonale, allongement du trou. Cherche à la redresser un petit peu, Ingrid. Remonte lui un peu sa nuque. Allez, on déchauffe. On trotte un petit peu plus déchauffe. Recule. Sors ton nombril. Sors ton nombril. Te mets pas en avant. Prends-le avec ton dos. Voilà. On ne va pas demander d'accélérer, mais si tu fais ça, il va croire que c'est ça qu'il doit faire. Petit coup derrière, juste derrière ta jambe. Virginie. Allez. Lève ta tête. Voilà. Allez, trop enlevé sans étrier. Sans mettre tes épaules en avant, Élise. Sans étrier, allez. Pas parce qu'il accélère de foulée, hein. À quoi? T'arrives pas à quoi? Comme j'arrive pas à être bien mon dos, comme tu me dis, quand j'ai pas étrier, c'est parce que t'insistes pas? Vas-y, prends ta petite poignée. Déchausse-moi tes étriers. Ne penche pas en avant. Déchausse. Déchausse, allez. Pour enlever sans étrier, allez, Elvire, tu veux. Ah oui, t'as les étriers, c'est pour ça que je me disais, ouais, c'est super bien. Mais non, mais c'est bien, j'allais dire, rechausse tes étriers, mais. Allez, debout assis, Élise. Allez, encore. Remonte tes genoux comme si t'avais des étriers. Voilà, remonte tes pointes de pied. Oblige-le à garder sa piste. Voilà. Et confiance en toi. Serre et desserre tes doigts. Rechaussez vos étriers. Trop enlevés. Garde tes épaules en arrière tout le temps que tu n'as pas tes deux étriers. Avance un petit peu, Elsa. Et Georgette, quand tu es gênée, qu'est-ce que tu pourrais faire avant de te prendre un coup de pied? Voilà, tes jambes. Tes jambes, il va. Et oui, plutôt que d'être sur le frein, fais-lui un peu confiance, Cronieux. Allez, galop. Lève ta tête, Ingrid, la regarde pas, c'est pareil. Sors-moi ton nombril, colle tes coudes au corps, mets-moi tes ongles face à face. Comme ça, tes mains, voilà. Et soutiens-les sans que ça pose sur la crinière. Voilà. Et sors mon nombril. Jambe gauche, patchouli et galop. Hein. Élise, sors ton nombril. Desserre tes doigts et avance. Desserre tes doigts. Quand tu sors ton nombril, desserre tes doigts. Remonte un peu tes reins. Occupe ton dos. Allez, assiette à chaque foulée. Même si tu vas un peu vite, c'est pas grave, je m'en fiche. Allez. Allez. Vas-y, si on trop, petit trop de travail. Main basse, on récupère avec coude au corps.
Alors, je lève ma tête, Ingrid, te tords pas. Regarde loin devant toi. Voilà, ça c'est bien. Descends-moi tes mains, Elvire. Sers-toi de ton assiette pour la ralentir. Et toi, Georgette, si tu veux finir sans étrier, mets-moi tes épaules en place, ton nombril, sors-le. Ton assiette, à chaque foulée, tu me sors ton nombril. Allez, viens, mets-toi dans tes talons, Virginie. Allez, derrière, patchouli, cercle lancé. Pas trop grand, tiens. Levez votre tête pour pas vous gêner. On reste au galop, bien sûr. Ouais, ouais. Allez, on agrandit. Jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche. Encore, Marine. Lève ta tête. On avance, on a un peu plus petit ton cercle, ça. Mais là, on avance. Petit coup de truc derrière ton mollet, là. Ouais, ouais. Allez, encore. Elle avance un peu. Faire des tourneurs, mais là, la patate. Légèrement plus petit encore, Elsa, ton cercle. Attention, je peux faire une transition au petit trop de travail, trop assis. Attention, marchez au trop. Trop assis, tout de suite, tout de suite. Sors ton nombril. Recule-moi tes jambes, Élise, ça va t'aider. Recule-moi tes jambes aussi, Ingrid. Très bien. Trop assis, Elsa. Ceux qui ne trottent pas assis, je leur démontre les étriers de la selle. Je l'ai déjà fait. Hein. Prends le pommeau, hein, plutôt que de râler. Prends le pommeau, sors-moi ton nombril. Lève ta tête. Au lieu de râler, tu mettrais ton énergie à essayer de coller tes fesses. Ça marcherait mieux. Allez, marche les autres pas. Et je l'entends râler même en cours de route. Elle passe, elle râle. Et grincheuse. Dans les sept nains, il y a grincheux déjà. On est combien? 2, 4, 1, 6. Ah, je suis la septième. Moi, je suis prof. Oui. Et Marie. Allez, on déchausse les étriers. On maintient avec son assiette et ses jambes. Un extérieur, il ne faut pas que ça accélère. Oui, Elise. Transition trop. Petit trop de travail. Tout pied avec ton dos, Elise. Ton dos tire sur ta poignée. Colle tes fesses. Voilà. Allez, on déchausse. Doucement quand tu déchausses, ça lui fait peur, tu vois. Faut que tu sois douce, Elise. Oui, Elise. Transition trop. Tire sur le pommeau si besoin. T'es pas censé essayer, toi. Bah, tu triches. Et les autres, en attendant, on freine, petit trop de travail. Et galop à gauche. Sans écarter tes coudes, sans me détendre tes rênes, Ingrid. T'es vu, hein? Je m'occupe des... Je regarde les autres, mais hé, j'ai un œil sur vous, hein. Elsa, c'est très bien. Transition au trot, tout petit trot, tout de suite. Oui, on sort le nombril, on tire sur le pommeau. Il y en a une qui tombait aussi avant. Regardez-moi ça, comment elle fait ça bien. Et galop à gauche. Soulevez-le, le pommeau. Ah, on est bien sur Juanita, hein, Virginie. On écarte. Transition ou pas. Il y en a une qui fait la grimace, je peux vous dire qu'elle n'a pas l'air d'être si bien. Sors son nombril. Voilà. Transition au trot, tout petit trot. Le nombril, Élise. Encore, encore. Ah ouais, c'est pas agréable, hein. Tire sous le pommeau. Voilà. On lève sa tête. Et galop à droite. Ne penche pas, lève ta tête, Marine. Marine, lève ta tête. Jambes, desserre-moi tes doigts. Tends ta reine extérieure. Je comprends pas comment t'arrives à tomber alors que tu as une position qui est irréprochable. Transition au trot. Tends ta reine extérieure, Elvire, ça va t'aider. Reine gauche. Reine gauche. Reine gauche. Ne tourne pas vers le milieu, Marine. Galop à droite. Ne tourne pas vers le milieu, Marine. C'est ça qui te fait tomber. On rechausse au galop. J'ai vu, Élise. Marine, c'est bon? Reine gauche, la laisse pas accélérer. Allez, remonte-moi ton pied. Encore, cherche-le. Fais-le bouger, ton étrier. Encore, encore, encore. Tu vois, Marine? Tu réagis pas assez, t'es trop longue. Fais-le bouger ton étrier, chute dedans avec ton pied. Déchaussez vos étriers. Bah ouais, c'était trop long. Elvire, garde parce qu'elle est fatigante. Je vais garder. On avance un peu, Juanita, derrière, ils sont au trot. Allez, pas tu l'écartes, avance. Resserre ton cercle, Donna, plus petit. Resserrez un peu, Juanita et Donna. On déchausse, les autres, ils sont sans étrier, Marine. Vite! Et on rechausse. Tout de suite. T'occupe pas des autres. Rechausse. Chute dedans avec ton pied. Encore. Encore. Jusqu'à que t'aies les deux.
Voilà, transition. 3 dans l'encolure et 5, ça accélère. Ta jambe droite sur son ventre. Ta jambe droite sur son ventre. Ta jambe droite sur son ventre, Marie. Dans ta reine droite pour pas qu'elle soit tordue. Oui, Elvire, très bien ça. Dans ta reine droite, Ingrid, fort, vers ton ventre. Voilà, la laisse pas partir en biais, remets la droite. En écartant à gauche, tire pas, écarte à gauche et tends à droite. Oui, remets la droite, Juanita, la laisse pas partir de biais. Oui, encore, ma jambe gauche, encore. Droit dans l'encolure. Rallonge tes reines allemandes et raccourcis des reines de filet, remonte plus de bout de son nez. Droit dans l'encolure et faire de travers, là, Ingrid. Voilà, là, elle est bien, encore. Encore, jusqu'au bout. Oui, Donna, encore, Elsa. Petit coup de talon et je la freine en même temps. Oui, très bien. Garde ses épaules bien droites, Virginie. La laisse pas partir. Voilà. Oui, Elvire. Elvire, tu vas durcir. Maintenant, tu essaieras de mettre le bout du nez à droite. Et toujours en session à la jambe gauche. C'est-à-dire un appuyé. Freine ton pas, Marine. Ça va trop vite. Quand vous arriverez en F, vous prendrez la prochaine diagonale. Et on envoie, poids du corps. Oui, Ingrid, c'est bien, continue. Elle ne laisse pas accélérer, par contre. Elle accélère, une croisée. Traîne dans tes doigts. Et jambe à gauche. Coupe ta main avec ta jambe gauche. Encore. 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 Traîne-la en même temps. Essaye de ne pas te contracter. Essaye de travailler dans tes doigts sans trop te contracter. En partant, toujours par là. Hein. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Pas plus. C'est bien. En te décontractant dans les doigts. Desserre, quand tu sens qu'elle se bloque, desserre tes doigts. Toujours dans le mouvement en avant. Puis dans le mouvement en avant. Oui. Prends-la encore, Ingrid, elle va trop vite. Et ta jambe, oui, Marine. En gardant bien les épaules droites. On recule un peu la jambe droite. Couvre un peu ta reine droite, Virginie. Voilà, faut qu'elle garde ses épaules droites. Couvre un peu ta reine droite et tends ta reine gauche. Couvre encore ta reine droite vers la droite. Voilà. Quand t'es calme, si tu commences à forcer un peu, c'est normal. Ouvre encore à droite, Virginie. Remets la droite. Là, elle est de travers. Et la jambe droite en même temps. Oui. Au prochain passage, Elvire, bout du nez à gauche. Prenne-la. Prenne-la. Dès maintenant, prenne-la. En la gardant droite dans l'encolure. Ouvre ta reine droite. Ouvre ta reine droite. Et tends ta reine gauche. Pousse ta reine gauche vers la droite. Voilà. Et tes jambes. Maintenant, repousse un peu tes deux mains vers la gauche. Tu vois, quand elle est droite, tu repousses un peu avant qu'elle se mette de travers. Voilà. Repousse vers la droite maintenant. Repousse vers la droite qu'elle se remette droite. Oui, oui. Pas plus d'incurvation. Hein. Déjà, elle est déjà pas mal. Très bien. Maintenant, faut que tu arrives à faire ça en essayant d'avoir un tout petit peu plus de marche avant. Prends-la, Ingrid. Ingrid, oh, point, il n'a plus que ça. Allez, je veux qu'elle croise. Je veux qu'elle croise. Droite dans l'encolure. Remets la droite. Remets la droite, attends pas qu'elle se torde. Prenne-la, et jambe droite, des coups de talon avec ta jambe droite. Prenne-la, remets la droite en même temps. Voilà, remets la droite en même temps. Et des coups de talon, et je la remets droite. Des coups de talon, et je la remets droite, et je la freine. Et je la freine, et je la mets droite en même temps. Ah, déjà, je te vois plus l'empoigné là. Oui, Elvire. En gardant ton assiette pour pas qu'elle fasse ça sur place. Assiette, desserre-moi un peu tes doigts. Oui. Ouais, bien, caresse-la bien, Elvire. Relâche parce que c'est dur, là. On marche large, on caresse bien fort. Jusqu'au bout, Virginie, hein, nous.